Bienvenue à Pologne pour cette émission spéciale Le Déjeuner Matinal. Il est 6h40. Nous allons retrouver tout d'abord nos amis de La Fontaine. Là, vous pouvez admirer une fontaine du 18e siècle avec son eau courante et potable en plus. La jouissance de Courcin. Voilà, c'est la jouissance. Donc, nous sommes donc à Piolenc, ici dans la région de Orange. Orange, petite ville bien connue pour les pneus. Ah, les pneus. Les pneus. Et donc, nous déjeunons tranquillement, paisiblement. Nous avons acheté des pains au chocolat chez la boulangère Germaine. Qui a dit elle avait des yeux fatigués, à croire, on ne sait pas ce qu'elle a fait toute la nuit, mais elles sont bonnes. Revenons. Boire le café. Près de l'élixir. Ce fameux élixir, vous voyez, il fume encore, il est fumant, il est de ce matin. Nous avons pris donc le départ vers 5h30. En bonne et due forme, voilà. Tout ça. Donc, pas je vais d'abord laisser l'antenne pour peut-être après, pour garder de la nouvelle étape de notre descente vers la tombe à Giorgio. C'est bon. Nîmes, 23 km. On est voilà à bord du véhicule qui nous amène voir la tombe à Tonton. Alors attention, les camions. Dans l'approchant du pont du Gard, le pont vestige romain. Je sais pas où il est. Regardez à droite, à gauche. Il n'est pas là. Peut-être l'entier démoli. Nous sommes bientôt à Nîmes. À Nîmes, 20 petits kilomètres. Oi, oi, oi. Nous nous retrouverons dans un petit instant. Avec une autre musique sur ma. Sur ma et une autre ville pour de nouvelles découvertes. Où sont-ils? Qui est le nouveau conducteur? Il est là. Il conduit la ZX automatisée. Il faut regarder devant. Regardons devant. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Nous les poursuivons. Avec deux. C'est la Sancy. Alerte à Malibu. Le poursuite. Nous passons les 150 km. Hello. Elle est là aussi. C'est la femme à Brassens. C'est Jeanne. Elle est disparue. Voilà à Lunel. À Lunel, petite ville très sympathique. Nous sommes plus qu'à 20 km de Montpellier. On se rapproche. Voici deux individus qui n'ont rien à voir dans l'histoire. Jeannot Lapin, on va tenter la quitte à l'âge de 7 ans. Regardez, une dernière fois, ouais. À la fin. On n'est pas de prisonniers. Regardez les miradors. Oh putain, les salauds. La maison d'arrêt. Oh, vive l'aventure là. Hein. Là, c'est pas les vacances. Des conneries. Oh putain. Regardez-moi ça. La maison d'arrêt de Montpellier. Ah, c'est joli ça. Le paysage. Oh putain, il y a un train qui passe. Non, qu'est-ce que c'est? C'est le paysage que les détenus ne verront jamais. Ouais.
ce beau paysage de Camargue. Et on va vous passer un petit morceau d'un tout jeune chanteur français qui rend hommage à la Camargue. Encore pas connu, il débute. Alors bon, vous verrez peut-être au top 50 d'ici peu. C'est parti. Hop. Disque jockey, passez-nous. Où sont les taureaux? Ah, il est là. Il s'appelle Georgie. J'ai 5 ans et je suis petit. La Camargue qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les ennuis. La mer, c'est le pied. Et c'est là que jadis. La mer, c'est le pied. La voilà. Ça y est, je l'avais perdu, je l'ai retrouvé. Elle est là. Non, ça c'est des usines. Ah, on approche. Mais où sommes-nous? Je ne vous avais pas dit qu'il y avait des Georges, nous arrivons, Georges, je te mets la musique. Il est là. Oh là là. Tu traverseras les montagnes en chantant. Tu cueilleras les fleurs des champs. Et on dansera. Et tu danseras la bourrée. Le pastis, il va être bon, le pastis. Tu feras croquer tes souliers contre une paire de sabots. Et tu danseras la bourrée en criant des. Ensemble nous revivrons toutes les traditions. Nous irons couper les champs de blé. La batteuse sera dans le ton. Sans oublier le boulanger qui nous fera pain et gâteaux d'autrefois. Et la fête se termine. Nous sommes dans le port de Sète. Oh, c'est le vélo. C'est pas le plus beau port. Oh, y a des voitures là. C'est pas terrible. Oh, le vélo. Il n'a pas de plaque d'immatriculation. Je le soupçonne d'un attentat. Il ne recule pas là. Où sommes-nous? Un pêcheur. Ah, il est là. Ça va trop. Le voilà, le temps attendu. Olé. Oh là là. Il en roule. C'est le premier pastis de la journée. Ça sera sûrement pas le dernier. 10h20. Allez. Ah mais ça marche pas. Moi je voudrais. De si. Demain, promotion en style, c'est combien? C'est trop fort. C'était l'anecdote du jour. De la marine. Nous sommes au bar de la marine. La marine. Quand tu veux. Le nouveau film. Oui. Voilà, on est toujours là. Ouais, ça tourne. Troisième. Très bon. Ils sont là. Très bon. La troisième. Il est 10h30. 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 11h15. 11h15. Peut-être. Alors. Quatrième. Ils sont là. Aïe, aïe. Nous commençons à perdre la raison à 11h30. Où va s'arrêter la nuit? Nous reprendrons sur le Simpson. Oui. Cinquième. Comment ça allait mieux? La route, voilà. Le mal de mer, tout ça, tout s'est passé. On va aller voir Jean. On le reverra. C'est un cache objectif. Restons calmes. Nous allons en procession vers la tombe à Tonton Georges. Finir avec le stress. Il est là. Je sais que ce monde est tranquille. C'est mignon le manège. C'est super mignon. Le génie. Sans bouillir. Oh génie magique, fais-nous ressortir Georges de la tombe. Ça c'est la merde. Oh putain de voiture à la corde là. C'est pas vrai ça. Alors attends, ton voiture rouge, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, Ackermann. Oh là 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 là. Regardez. Et le voilier là-bas. Zoom le voilier là-bas. Le voilier là-bas. Où c'est? En dessous du panneau. Ah ouais, là. Oh putain, oh, mais va voir en camping-car. Il est là. Je l'ai. Ah ouais, vas-y. Non.